Marcel le Chien. Pendant 13 ans, cet homme a été instituteur dans un petit village de Normandie qui s'appelle Cormeil. Un maître d'école à l'ancienne, sévère, mais respecté. Jusqu'à ce que deux de ses anciennes élèves, deux jeunes filles sorties de l'adolescence, se mettent à parler et portent plainte. L'une raconte qu'elle a été victime d'attouchement, l'autre d'un viol. Et là, c'est tout un village qui se met à vider son sac. Au total, 38 anciens élèves, garçons et filles, se succèdent à la gendarmerie pour porter plainte. Et on s'aperçoit que depuis des années, la directrice de l'école, l'inspecteur, une psychologue, un médecin avaient été alertés. Mais ils n'y ont pas cru ou n'ont pas voulu y croire. Pas lui, pas Monsieur le Chien, l'enfant du pays, le conseiller municipal, l'instituteur modèle. Alors on a attendu et il a continué. Et cette affaire ne se déroule pas dans les années 60, 70, 80. On est à la fin des années 90, à une époque où en principe, la pédophilie n'était pas un sujet tabou. Tout près de Deauville, mais loin des mondanités, Cormeil, un petit village de Normandie, 1200 habitants. Ici, tout le monde se connaît. Les enfants fréquentent la même école. Et le dimanche, les parents se croisent à l'église. Mais le mardi 6 février 2001, tout ce calme apparent vole en éclats. Un homme vient se garer devant l'école communale. C'est un parent d'élève. Il est venu parler à l'instituteur du cours préparatoire. J'attends l'arrivée de Marcel le Chien. Je vais à sa rencontre à pied. Je lui dis que j'aimerais m'entretenir assez discrètement avec lui d'un sujet un peu difficile. L'instituteur accepte de monter dans la voiture de Jean-Yves Sandré, qu'il connaît bien. Il a eu deux de ses enfants comme élèves. Je laisse s'installer un silence et je lui dis que les petites filles, c'est fini. Et je lui cite un certain nombre de prénoms, le prénom de ses victimes. Il change de couleur, devient cramoisi, puis violacé. Visiblement, il est sous le coup et reste absolument sans réaction. Et je dis, on y va. Jean-Yves Sandré démarre. Il prend la direction de la gendarmerie. L'instituteur se laisse conduire, sans protester. La seule question qu'il me pose, c'est est-ce que mes parents sont prévenus ? Question à laquelle je ne réponds pas, mais question qui me glace, car je n'ai pas à côté de moi un homme d'une cinquantaine d'années, j'ai un gros petit garçon qui a fait une grosse bêtise et qui se demande s'il va se faire gronder. Ça fait à peu près cet effet-là. Les deux hommes arrivent vite à la gendarmerie située à 1 kilomètre à peine de l'école, à l'autre bout du village. Il descend de la voiture, il oublie son cartable, je lui signale qu'il a oublié son cartable dans ma voiture. Donc il le reprend et il y a deux jeunes gendarmes dans le hall et je leur dis, messieurs, bonjour, je vous amène un pédophile multirécidiviste. Les gendarmes sont interloqués. À côté de Jean-Yves Sandré, Marcel le Chien ne bouge pas. Quand le gendarme s'adresse à lui pour lui demander « Monsieur, qu'avez-vous à dire ?» Et comme un homme qu'on embête exagérément pour des choses mineures, il dit « Oh, j'ai violé personne. » Comme ça. Les gendarmes appellent tout de suite leur supérieur hiérarchique. L'adjudant Fruchard, qui arrive, bonhomme, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Jean-Yves Sandré s'explique devant l'adjudant Fruchard. S'il est venu chercher l'instituteur à l'école, c'est parce que d'anciens élèves de Marcel le Chien lui ont révélé avoir subi de sa part des attouchements sexuels réguliers pendant la classe et que vraisemblablement, l'instituteur continue ses agressions. Je ne suis intervenu que pour une raison, c'est que des enfants me semblent dans un danger extrême et que je n'ai trouvé que ce moyen pour les en préserver. Il lui appartient évidemment de recouper les faits, mais pour moi, cet homme n'a plus sa place dans une salle de classe. Pendant que Jean-Yves Sandré est à la gendarmerie, sa femme enclenche la deuxième phase de leur plan. Elle téléphone une à une aux victimes pour qu'elles aillent porter plainte. Une jeune fille arrive un peu avant midi, elle porte plainte pour viol. Pendant ce temps-là, à la gendarmerie, l'adjudant Fruchard a l'air bien embêté. Il ne sait pas trop quoi faire. Marcel le Chien est un enfant du pays qui n'a jamais eu d'histoire. Il décide, en attente de preuves,
de renvoyer l'instituteur chez lui. Ah, il ne retourne pas dans sa classe, mais il retourne chez lui. On s'inquiétera après au procès de savoir tout ce qu'il a pu détruire. Il a eu jusqu'au lendemain, il a eu une bonne douzaine d'heures pour nettoyer son ordinateur, son bureau, etc. Un remplaçant a pris tout de suite en charge la classe de Marcel Lechien. Le lendemain, 5 nouvelles victimes portent plainte. L'affaire est confiée à la gendarmerie d'Évreux. Parmi les premières à se rendre chez les gendarmes, Anaïs. Elle a aujourd'hui 19 ans. Donc, j'ai commencé ma scolarité au CP avec Monsieur Lechien dans l'ancien bâtiment. Donc ici, tout a été refait à neuf, en fait. Et moi, j'avais l'ancien préfabriqué. Les lieux ont changé, mais les souvenirs sont intacts. Anaïs avait 6 ans quand elle dit avoir été victime d'attouchement sexuel. Anaïs, les élèves de Marcel Lechien commencent à porter plainte à la gendarmerie. Puis à votre tour, vous allez vous aussi porter plainte. Vous y allez toute seule ? Non, avec mes parents. Ça se passe le lendemain. J'étais convoquée en fait le mercredi à 9h dans la matinée. Quoi. Ça se passe comment là ? Je suis interviewée par la brigade d'Évreux. Mmh. Et donc, le gendarme me fait « Tu sais pourquoi tu es là ?» Oui, donc je viens pour témoigner que je suis victime de Marcel Lechien. Vous êtes toute seule face au gendarme ? Je suis toute seule face à un gendarme. Comment est-ce qu'il s'adresse à vous ? Est-ce qu'il vous dit « Racontez, dites-moi ce que vous avez à dire » ou est-ce qu'il vous pose des questions ? Il me pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année-là ? Ce que j'ai subi ? Ce que j'ai à dire ? Et donc, je révèle tous les faits. Pas facile de lui parler de sexe, par exemple ? Non, c'est pas facile, mais bon... Faut mettre des mots sur chaque geste, donc j'ai bien expliqué, en fait. Je suis sûr que vous aviez jamais pensé qu'un jour, vous devriez expliquer ça comme ça, quoi. Je savais très bien qu'un jour, le jour où j'aurais besoin que ça sorte, ça sortirait et qu'il faudrait expliquer précisément. Donc j'y pensais quand même, en fait, de temps en temps. Mercredi 7 février, lendemain du jour où il a été emmené à la gendarmerie. Marcel Lechien, qui a passé la nuit chez lui, est convoqué par les gendarmes à 14h30. Il est aussitôt placé en garde à vue. C'est la grosse surprise, hein, la grosse surprise désagréable. La nouvelle de son arrestation se répand très vite dans le canton. À Saint-Sylvestre-de-Cormeil, le petit bourg voisin, où Marcel Lechien est adjoint au maire, c'est le branle-bas de combat. Personne ne croit aux accusations. Il faut très vite le sortir de là. Bah, je dis à Jean-Pierre, c'est pas possible. Va voir Marcel Lechien à la gendarmerie. Il est arrivé à la gendarmerie, tout ça. Faut aller voir ce qui se passe. Alors, il a pris le maire, il a été voir avec le maire. Le fermier et le maire de Saint-Sylvestre-de-Cormeil croient à un coup monté. Mais quand Marcel Lechien les voit arriver, ils baissent la tête honteusement. Les deux hommes sont troublés. Ils sont repartis, quoi. Ils ont dit, bon, ben, si c'est vrai, c'est vrai. Mais en garde à vue, face aux gendarmes, Marcel Lechien ne baisse pas les yeux. Il est innocent. Il n'a rien à se reprocher. Il dit avoir suivi Jean-Yves Sandré à la gendarmerie par curiosité. Ce premier interrogatoire dure jusqu'à minuit. Parallèlement, une perquisition a lieu à son domicile. On ne trouve rien. Lechien passe la nuit au poste. Le lendemain matin, dès 8h, nouvel interrogatoire. Et là, changement de ton. Après réflexion et remise en question personnelle, je peux vous dire aujourd'hui qu'il est possible que j'ai commis des attouchements sur différents élèves que j'ai eus dans ma classe. Je consens maintenant à vous expliquer, mais je dois vous dire que ça n'est pas facile. Il y a comme un blocage chez moi. Je reconnais néanmoins avoir caressé les sexes d'Anaïs, Mélissa et Élodie. Ça se passait dans la classe, pendant les heures de cours. Les élèves venaient s'asseoir sur mes genoux alors que j'étais assis derrière mon bureau. Et lorsqu'on lui demande ce qu'il ressentait en faisant cela, il répond « Je ne sais pas. Je ne pense pas que j'éprouvais du plaisir. Peut-être que si, puisque je l'ai fait. Peut-être que je faisais cela pour procurer un certain plaisir à l'enfant. » Et Marcel Lechien avoue aussi la fellation dont l'accuse l'une des petites filles.
j'ai sorti mon sexe et je lui ai demandé de le mettre dans sa bouche. J'étais en érection. Après cet épisode, je n'ai plus touché Elodie. Je pense que j'ai trouvé que cela allait trop loin. Et quand on lui demande pourquoi il a fait cela, il dit « Je ne comprends pas. Je voudrais bien connaître les raisons. Je suis prêt à essayer de comprendre. Pour moi, je pense que j'ai agi par pulsion. Je ne vois que cela. J'aimerais trouver la clé de mon problème. Je regrette le mal que j'ai pu faire aux enfants. » Une perquisition a lieu à l'école. Marcel le chien est conduit sur place, menotté au poignet. Ils ont juste retiré les menottes pour qu'il entre dans l'école au cas où il y aurait eu des enfants qui auraient pu être touchés, mais c'était à l'heure du déjeuner. Mais quelquefois, il aurait pu rester des petits gamins à l'école. Donc ils lui ont retiré les menottes pour entrer dans la classe. Mais ça fait un drôle d'effet. Hein. Vraiment, ça m'a choqué. Un objet retient l'attention des gendarmes. Il se trouve dans le tiroir de gauche du bureau de l'instituteur. J'ai vu la pièce à conviction, qui était un sexe d'homme, en quelque sorte, en pâte à modeler, qui était dans le tiroir. Et alors là, j'ai commencé à quand même avoir des doutes sérieux. Hein. Marcel le chien affirme n'avoir jamais remarqué cet objet. Il dit qu'il appartient sans doute à un petit garçon féru de pâte à modeler. Il est mis en examen et déféré devant le juge d'instruction Bernard Simier qui désormais va diriger l'enquête. Mais face à lui, le chien se ferme. Il est assisté d'un avocat et il va tout simplement dire ces choses-là. Je suis fatigué et je demande un délai de réflexion. Marcel le chien est écroué à la maison d'arrêt d'Evreux. Et quand enfin, 15 jours plus tard, il accepte de voir le juge d'instruction, il lui annonce qu'il revient sur ses aveux. Il a avoué, dit-il, sous le coup de la fatigue. En fait, il n'a rien fait. Pourtant, depuis son arrestation, 12 nouvelles plaintes ont été enregistrées par les gendarmes. La machine judiciaire est en marche et Marcel le chien reste en prison. Le village de Cormeil, lui, entre dans la rubrique « Faits divers ». Les médias débarquent. Quand il reçoit un coup de téléphone de journaliste de France 2, l'hôtelier du village, qui n'est pas encore au courant, croit à une farce. Je me rigolais un petit peu au nez parce que je ne prenais pas du tout au sérieux la réservation. Il me dit, monsieur, on vous garantit, on vient pour le pédophile qu'on a arrêté jeudi. Monsieur, vous êtes dans un petit village de 1100 habitants, on ne peut pas croire qu'il y a un pédophile à Cormeil. La nouvelle fait très vite le tour du village. Elle parcourt les rues de Cormeil comme une onde de choc. Moi, j'ai un souvenir très fort, je me promène dans la rue et puis j'essaye de parler aux gens de l'instituteur et j'entends « Oh, le chien !» Et je pensais qu'en fait, c'était dans leur colère, c'était très bizarre, il y avait une sorte de... À la fois, ils étaient en colère, ils parlaient de le chien, après j'ai compris qu'il s'appelait comme ça. Marcel le chien était honorablement connu, instituteur, conseiller municipal. On lui faisait confiance. Pour être conseiller municipal, il faut se faire élire. Eh ben, Marcel le chien a passé avec une très grosse majorité de voix à chaque fois qu'il s'est présenté aux élections. Donc il jouissait d'une réputation extraordinaire. Moi, j'avais une confiance inouïe en cet instituteur. Je le trouvais bien, qu'il s'occupait bien des enfants, que mon fils, il s'en occupait bien, qu'il le prenait récréation à part pour lire et tout. Donc... je tombe de haut. Le chien est un enfant du pays. Il est né à Cormeil. Tous les habitants connaissent sa femme, ses 4 frères et sœurs et ses vieux parents. Marcel le chien est l'un des leurs. Et c'est moche, surtout dans notre commune. Et moi, j'étais voir même le chien aussi, tout le même jour aussi. J'étais la voir et puis elle pleurait quoi, avec ses parents. Ils étaient là. C'était vraiment un drame dans la famille. Quoi. Cormeil est bouleversé. Au village, on ne parle plus que de ça. Cormeil se sent sali. Didier Deliot, vous êtes parent d'élève, parent d'une petite fille. Qui a quel âge au moment où l'affaire éclate ? 6 ans, qui est en classe de CP, première année d'école primaire, donc en 6 ans. Dans la classe de Monsieur le Chien ? Dans la classe de Marcel le Chien, effectivement. Au moment où l'affaire éclate, vous ne savez pas qu'elle sera plus tard sur la liste des victimes ? Non, pas du tout. Vous ne le savez pas ? Non.
Et vous ne vous en doutez pas? Ça ne vous traverse pas l'esprit? Non, dans la mesure où ma fille était heureuse d'aller à l'école, se plaisait dans sa classe, avait de bons résultats scolaires, y avait pas, nous parents n'avaient pas d'inquiétude et on va pas imaginer ce genre de situation. Comment est-ce que vous apprenez que Marcel Le Chien est soupçonné de pédophilie? Je l'ai appris comme la plupart des gens dans le village, je l'ai appris par le bouche à oreille, en voyant la presse, les médias devant l'école primaire. Et voilà. Comment ça se passe dans le village? Est-ce que d'emblée, tout le monde croit aux accusations portées contre l'instituteur? Non, il y a une partie de la population qui connaissait l'instituteur depuis longtemps, donc qui doute totalement de sa culpabilité, qui le croit innocent. Et il y a une autre partie de parents qui sont persuadés qu'il est coupable et qu'il a réellement fait ce qui lui est reproché. Vous, vous vous situez dans quel clan à ce moment-là? Neutre. Oui, mais j'écoute les gens, moi j'écoute, j'attends. Avec ma femme, nous avons discuté avec notre fille, nous avons demandé si elle avait été victime de l'instituteur. Notre fille nous a dit non, il m'est jamais rien arrivé. Et on la croit. Il n'y a rien qui nous démontre le contraire. Le village est divisé en deux. D'un côté, ceux qui croient que c'est vrai. De l'autre, ceux qui pensent que c'est un délire orchestré par Jean-Yves Sandré. L'affaire Le Chien est au menu de toutes les tables de Cormeil. En deux semaines, 17 plaintes ont déjà été enregistrées. Et tous les jours, une nouvelle victime se révèle. J'étais au bout de la table, j'avais ma copine à côté de moi. J'ai regardé mon père, je fais « Papa, j'ai un truc à te dire ». Et là, je me suis mise à pleurer, j'ai fait « Bah, Monsieur Le Chien, il a fait pareil sur moi ». Là, c'était une montagne qui nous tombait dessus. Parce que moi, j'aurais jamais imaginé qu'il aurait pu faire des choses comme ça. On m'aurait égorgé, je crois que ça aurait pas été pire. Hein. Pourquoi? Parce que, bon, j'y croyais pas non plus. Hein. Alors, bon, mais j'ai demandé à Laura, est-ce que c'est vrai? C'est sûr que t'invente pas. Bon, ça, on a duré quelques instants, peut-être 5 minutes comme ça. On me dit, bon, bah, hop, on appelle les gendarmes. Les Lacour vont immédiatement porter plainte. Laura se plaint d'attouchements sexuels, de caresses déplacées qu'elle a dû faire ou subir. Elle est encore mineure. L'audition se déroule en présence de sa mère. Il y avait deux gendarmes, ma mère et moi. Et ils m'ont posé plein de questions. Ça a été dur à répondre, mais j'ai répondu. C'était phénoménal. Ils ont fait faire les gestes de ce qu'ils lui avaient fait, tout, mais elle a tout refait. Elle a eu du cran. C'est incroyable. L'interrogatoire dure 3 heures. La maman de Laura apprend en même temps que les gendarmes ce qui est arrivé à sa fille. Au fond de moi-même, je me sens salie. Parce que je me dis, il a touché à ma fille, c'est comme s'il me l'avait fait à moi. Laura avait 6 ans quand c'est arrivé. À l'époque, elle n'avait jamais rien dit. Pourquoi ? On va pas rentrer le soir à 4h30 de l'école et faire « Maman, Monsieur Le Chien m'a fait faire ça sur lui ou il a fait ça sur moi », c'est... Je sais pas s'ils auraient pu nous croire ou pas. Alors j'ai posé la question, je dis « Est-ce qu'il te menaçait si tu disais quelque chose ?» Non, mais... Elle osait rien dire, quoi. Puis comme en plus c'est le maître, c'est... Pour nous, c'est l'adulte, c'est lui qui nous apprend, on est émerveillés devant lui. Donc pour moi, c'était normal ce qu'il disait. Seul signe avant-coureur, la petite Laura n'aimait pas aller à l'école, mais c'était trop banal pour être vraiment inquiétant. À part que de temps en temps, elle me pique une crise le matin au démarrage pour dire « Non, je veux pas aller à l'école. » Bah, je dis « T'es pas arrivé au bout de tes peines, faut que tu y ailles jusqu'à 16 ans. Hein. » On était obligé de la tirer. Alors moi je disais, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que moi j'aurais pu penser que le chien l'a tapé, lui donner des fessées, la punissait. J'ai dit, je vais le voir, moi c'est pas grave, je le connais bien, je vais aller le voir. Non, on n'y va pas. Il faudra l'arrestation de Marcel Le Chien et le scandale qui a suivi pour libérer la parole de Laura. Parce que j'avais vieilli et quand l'affaire a éclaté, j'en ai parlé à une copine et je voulais pas en parler à mes parents parce que c'était un ami à mon père. Donc j'ai eu peur en plus qu'ils me croient pas ou... Mon père, il m'a fait
toute façon, c'était peut-être un bon copain, mais il t'a fait ça, c'est toi en premier, c'est pas lui, c'est toi ma fille, personne te fera de mal. Et quand mon père m'a dit ça, j'étais heureuse, j'étais contente. Des témoignages comme celui de Laura, les gendarmes vont en recueillir au total 38. Toutes les victimes ne viendront pas spontanément porter plainte. La justice va aller à leur rencontre. À ce stade de l'enquête, Dominique, il y a de plus en plus d'enfants qui portent plainte et la gendarmerie va faire ce qu'elle fait souvent dans ce genre d'affaires importantes. Elle va créer une cellule spéciale d'enquête. Ouais. Mineur 27. C'est le nom de la cellule. Mineur 27. Ça, c'est un truc que les gendarmes aiment bien. Donner des noms de code à leurs opérations. Mineur, parce que c'est une affaire de pédophilie. 27, parce que c'est le numéro administratif du département. Mineur 27. Alors, c'est vrai qu'au départ, le procureur de Bernay, Philippe Stelmach, a une idée assez inédite. Il décide d'aller très très vite, de travailler dans le temps de la garde à vue. Et il demande aux enquêteurs d'entendre très vite tous les enfants de la classe de Marcel Lechien. Pas seulement eux, mais aussi tous les enfants des classes qu'il a dirigées depuis qu'il est instituteur à Cormeilles, c'est-à-dire depuis 1989. Ça fait 240 enfants que les gendarmes vont devoir retrouver et questionner. 240 enfants dont certains ont grandi, donc ils ont de 6 ans à 17 ans. Les psychologues entendent d'abord l'enfant. Seul. Seul, pour évaluer le traumatisme qu'il a subi et puis aussi sa crédibilité. Et ensuite ? Ensuite, c'est un gendarme spécialement formé qui va interroger l'enfant, mais toujours sur le ton de la conversation, dans cette pièce, seul avec l'enfant, mais l'audition est filmée. Par une caméra ? Ouais. Depuis juin 2000, on filme en France les auditions d'enfants abusés sexuellement. Et il n'y a dans la pièce que cette caméra. Pour ne pas déranger l'enfant, le gendarme lui parle, l'écoute, ne prend pas de notes. C'est une confidence. C'est sur le ton de la confidence. Et dans une pièce à côté, là, il y a des gendarmes qui travaillent, qui prennent l'audition. Ils ont un moniteur, un écran de télévision. Donc ils sont là comme s'ils assistaient en direct à l'entretien. Et eux, ils notent procès-verbal. Donc ils écrivent mot à mot tout ce que dit l'enfant. Ça sera le PV que va signer l'enfant après, comme un grand. Il signera son procès-verbal d'audition. Et cette audition, elle va être enregistrée en deux exemplaires, deux cassettes. Une qui va être mise sous scellé pour la justice, et une autre que les gendarmes vont garder par devers eux, qui va servir à faire des recoupements, comme le procès-verbal d'ailleurs, avec les témoignages des autres enfants. C'est le document de travail des gendarmes, c'est celle qu'ils pourront réécouter, se repasser pour revérifier quelque chose. Et là, les auditions des 240 enfants, ça va durer 2 mois. Le procureur de la République, Philippe Stelmach, réunit tous les parents d'élèves dans le théâtre de Cormeilles. Ils sont tous là. Il leur annonce que leurs enfants, tous leurs enfants, vont être convoqués et entendus un par un à la gendarmerie. Non, sûrement pas. Mon fils n'ira jamais à la gendarmerie. Parce que je devais pas me rendre compte de l'ampleur que c'était, quoi. Pourquoi vous vouliez pas qu'il aille à la gendarmerie? Je sais pas. Je sais pas. Parce que j'avais peut-être l'impression qu'il était peut-être pas victime. Je sais pas. Les parents n'ont pas le choix. Ils sont obligés de répondre à la convocation de la justice. Les gendarmes chargés d'entendre les enfants sont assistés de psychologues. Il y avait le psychologue et un gendarme. Et moi. Et il posait des questions à Baptiste et Baptiste répondait. Et quand Baptiste voulait dire quelque chose, il parlait aussi s'il voulait. Mais le gendarme après m'a dit on aimerait voir Baptiste tout seul. Parce qu'il y a quelque chose qu'on sent qui va pas, quoi. Les auditions des enfants sont filmées, ce qui évitera de devoir les interroger à nouveau au moment du procès. Je voyais donc mon fils dans une télévision et mon fils parler. Et de là, effectivement, je suis tombée des nues parce que je ne comprenais plus rien. Je me suis dit, mais comment j'ai pu passer à côté de choses pareilles? Les 38 enfants qui se disent victimes de l'instituteur racontent tous la même chose. Marcel Lechien avait fait des gestes interdits. Il avait mis à plusieurs reprises les mains sur les fesses et le sexe. Il raconte que pour avoir des bons points, il devait toucher le zizi du maître. L'enseignant lui a mis la main sur son pénis. Il était mou. Plus il me touchait, plus ça gonflait. Marcel Lechien m'a demandé de toucher son sexe pendant la récréation.
Sur les 38 plaignants, 35 enfants se disent victimes d'attouchements qualifiés d'agressions sexuelles. Mais 3 dénoncent des faits plus graves. Une fellation et des pénétrations anales avec le doigt. L'instituteur lui avait introduit un doigt dans l'anus. Un petit garçon raconte que l'instituteur lui a mis un thermomètre dans les fesses et que cela lui a fait très mal. L'enfant reconnaît l'objet comme étant le bout de pâte à modeler bleu retrouvé dans le bureau du maître lors de la perquisition. Les 3 enfants sont considérés comme ayant été victimes de viol car la loi qualifie de viol tout ce qui est pénétration effectuée avec le sexe, le doigt ou un objet. À partir du moment où Monsieur le Chien s'est amusé à mettre un doigt, introduire un doigt dans l'anus des enfants, c'est un viol. Et il faut oublier cette idée qu'on avait autrefois de dire le viol, c'est avec le sexe. Un enfant, ça ressent ce traumatisme et cette intromission comme un véritable viol. Sur les 240 enfants auditionnés, 38 racontent des agressions sexuelles. Les autres se disent indemnes, mais beaucoup ont été témoins de gestes déplacés de l'instituteur. Les témoignages se recoupent. Les enfants n'ont pas l'air de mentir. La crédibilité, pour ce qui concerne Cormeil, en tout cas, elle a reposé sur la multiplicité des témoignages. Et des témoignages concordants, c'est-à-dire que quand on avait une victime, on avait aussi souvent quelqu'un qui l'avait vu être victime. Fatima Boyoun est psychologue. Elle fait partie de la cellule mineure 27. Elle écoute chaque témoignage et doit dire s'il est crédible ou pas. La plupart des enfants qui parlent d'abus sexuels disent la vérité, même s'il y a quelques enfants qui peuvent mentir. Ça reste quand même une très petite minorité. Et on sait qu'un enfant peut inventer. En fait, ce n'est pas vraiment inventer, c'est fantasmer parce que un petit copain ou une copine a été donc abusé sexuellement, elle lui en avait parlé. Et donc, il s'identifie à la copine ou au copain pour pouvoir dire la même chose. C'est possible. Un enfant, mais plusieurs enfants, quand ils disent la même chose, difficile à imaginer qu'ils puissent inventer tout ça. Ça avait été des menteurs, ils nous auraient dit, depuis le début, si vous voulez, ils nous auraient dit le chien me fait ci, le chien me fait ça. Mais là, ils ne parlaient pas, les enfants, c'est qu'il y avait bien un problème. Pourquoi, à ton avis, les enfants, ils disent rien à leurs parents? Je sais pas. Est-ce que c'est facile de dire les choses à ses parents? Non. Pourquoi c'est pas facile? Parce qu'on a peur. On a peur des parents? Bah, qu'ils nous discutent après. Les parents? Oui. Tu te sentais un peu coupable? Oui. Ils disent qu'ils se sentaient coupables et qu'ils ont honte. Ils sont sûrs aussi de ne pas être crus. D'ailleurs, certains enfants ont parlé. Je me rappelle d'ailleurs, c'était un jeune adolescent de 15 ans qui avait dit à ses parents, lorsque ça s'est passé, voilà ce que me faisait maître. Et les parents ont refusé de le croire. Didier Deliot a appris au moment des auditions à la gendarmerie que sa petite fille était l'une des victimes. Au tout début de l'histoire, vous posez la question à votre petite fille, est-ce que toi aussi, monsieur le chien, t'as fait quelque chose? Et elle vous répond non. Or, elle est victime de monsieur le chien, votre petite fille. À qui elle le dit la première fois? Ben, la première fois, elle le dit au psychologue qui avait été mis, au psychologue de la cellule qui a été mise en place par l'Éducation nationale. Elle a dit oui, qu'elle était victime. De quoi? Voilà. D'agression sexuelle. Attouchement? Oui. Répété? Oui. Comment est-ce que votre fille a vécu cette période-là? Tous les enfants vivent très mal cela. Ma fille, par exemple, savait, dès que l'affaire Le Chien a éclaté, qu'elle était l'une des victimes. Pourquoi elle dit non à ses parents? Parce qu'elle est, parce qu'elle aime papa, elle aime maman, elle veut toujours garder aux yeux de ses parents l'image de l'enfant que nous on aime. Donc ce qui se passe, c'est qu'elle va ne pas faire la révélation aux parents, la faire à quelqu'un d'autre, à un étranger, à qui elle pourra dire ce qui lui est arrivé, et ensuite reprendre sa position de petite fille au sein de la famille. C'est-à-dire que vous n'en avez jamais reparlé avec elle, vous? J'ai essayé d'en parler,
Elle m'a dit non, elle ne veut pas en parler. Moi, je respecte ma fille, voilà, elle ne veut pas en parler, elle n'en parle pas. La seule chose qu'elle a fait, par exemple, c'est qu'elle a fait un dessin qu'elle m'a donné un jour, et c'est tout. Et ce dessin est explicite ? Oh oui, largement, oui. Les enfants de Cormeil parlent, enfin. Leurs parents écoutent. Le choc est rude. On se culpabilise parce qu'on ne comprend pas pourquoi notre fils ne nous en a pas parlé, pourquoi, et que nous sommes aperçus de rien du tout. Moi, j'ai le sentiment que ça fait beaucoup plus de dégâts chez les parents que chez les enfants que j'ai vus. Parce que les parents, effectivement, ce sont des adultes, donc ils sont supposés protéger leurs enfants, ils sont supposés avoir une conscience, savoir les choses, ils n'ont rien vu. Démunis devant le témoignage de leur petit, les parents décident de se tenir les coudes face à la justice. Ensemble, ils créent l'association Parole d'enfant. Vous créez donc tous ensemble une association? Oui. Quelle est l'idée qu'il y a derrière? Au départ, c'était au niveau de l'école. L'éducation nationale n'a jamais fait ce qu'il fallait pour aider aussi bien les parents que les enseignants qui restaient sur place. Et donc là, on s'est rencontrés à la mairie. Avec les parents, on a discuté. On a décidé de créer cette association. Pour vous épauler les uns les autres? Pour aider tout le monde, pour essayer de recentrer tout cela. Parce qu'en fin de compte, les polémiques de tous les côtés, ça n'apporte rien de constructif. Les victimes, ce sont les enfants. Ce qu'il faut aider, ce sont les enfants. Au début de l'affaire, les habitants de Cormeil et les gendarmes ont pu croire que pendant des années, tout le monde s'était tu, puis que d'un coup, en 2001, tout le monde se mettait à parler. La vérité, c'est que depuis 1996, on avait des témoignages d'enfants qui parlaient de gestes déplacés de la part de Monsieur Le Chien. Des parents ont tenté d'alerter la directrice de l'école, mais l'institution éducation nationale a fait ce qu'elle fait souvent dans ce genre de dossier, l'autruche. Ça s'est passé 5 ans avant l'arrestation de Monsieur Le Chien. Deux mamans étaient allées voir la directrice de l'école. Leurs enfants leur avaient fait des confidences. Dimitri, ça faisait 2-3 jours qu'il n'était pas bien. Mais vraiment pas bien. Il parlait plus, il mangeait plus. Puis qu'est-ce qui se passe? Alors à 6 ans et demi, le seul truc que je lui ai dit, parce que c'est mignon comme toutes les mamans font, t'as une petite fiancée, elle t'a quitté, t'as été punie, tout ça. Et là, il a avoué, il a dit non. Monsieur le chien m'a mis sur ses genoux, il m'a pris ma main. Il m'a mis la main avec son petit langage de 6 ans et demi à son zizi. Et aussitôt, j'ai téléphoné à la directrice. Accompagnés de leur petit garçon, les époux Morin se retrouvent dans le bureau de la directrice de l'école. Marcel le chien est présent. J'ai expliqué parce que Dimitri était avec nous, mais il ne pouvait pas parler. J'ai dit, voilà, monsieur le chien, vous avez pris mon fils sur les genoux et vous lui avez mis la main. Mais il ne disait rien. Marcel le chien nie les attouchements, mais admet avoir pris l'enfant sur les genoux. Si je le mets sur mes genoux, c'est de l'affection. Et on s'est un petit peu fâché avec le mari, avec mon mari, parce que l'affection, il y a de l'affection. Affection, affection. La directrice semble croire ce que disent les Morins. Mais elle se tourne vers son instituteur. Et surtout, Marcel, tu recommences pas. Voilà, c'est tout. L'entretien a duré quoi, 10 minutes, c'est tout. Et nous sommes sortis coupables. Avec mon mari, coupables. C'est-à-dire que... C'était nous, les menteurs. Et mon fils avait menti. À la même époque, une autre mère d'élève s'indigne du traitement humiliant infligé à sa fille par l'instituteur. Pour Julie, c'est d'aller rentrer un soir en pleurant du quin, en larmes. Et puis donc, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a dit qu'elle avait ramassé une fessée par le chien. Parce que j'ai mal fait un travail et il m'a mis une fessée devant tout le monde. J'ai dit, ah bon, il t'a mis une fessée devant tout le monde? Elle me dit, oui, il m'a mis une fessée, les fesses à l'air devant tout le monde. Bon, moi je trouve que c'est grave quand même. Les deux mamans croient chacune être un cas isolé. Mais la directrice est troublée par ces deux plaintes successives. Alors elle prévient son supérieur hiérarchique, l'inspecteur, lequel décide d'une enquête. Une psychologue scolaire vient rencontrer les deux enfants et passe une matinée dans la classe de Marcel le Chien. Elle conclut que l'instituteur n'a rien à se reprocher et que le trouble des enfants est sans doute d'origine familiale.
Comme je venais de sortir d'une situation de divorce, en fait, elle disait que c'était plutôt que je lis le comportement qu'elle avait avec moi, avec nous, avec, avec les élèves dans la classe et monsieur le chien, que c'était plus ça qu'en fait qu'il ne fallait pas que je dramatise, quoi. Qu'ils n'ont rien donné du tout, parce qu'on n'a jamais reçu les comptes rendus. Donc c'est des petits dessins, et l'affaire a tombé à l'eau. Tout est bouclé en une semaine. L'inspecteur n'a pas vu les enfants, ni les parents. La psychologue scolaire n'a pas jugé utile de rencontrer en tête-à-tête Marcel Lechien. Les parents de Dimitri et de Julie en restent là. La directrice ne m'a pas cru. L'académie ne m'a pas cru. Toutes les portes se sont refermées. Vous allez taper où ? Ben vous repartez chez vous, vous protégez votre enfant, vous faites attention à votre enfant. Mais malheureusement, après, quand vous savez qu'il y a eu d'autres victimes, ben vous êtes honteuse. J'aurais dû porter plainte contre cette fessée. Même si c'était qu'une fessée qu'elle me disait, j'aurais dû déjà me protéger en ce qui concerne ça. Dimitri et Julie finissent l'année scolaire dans la classe de Marcel Lechien. Il n'osera plus les toucher. Non, jamais. Il n'a jamais retouché, puni d'accord, mais bon, ça c'est les punitions, c'était pas grave, c'était une vengeance. J'ai même fait des petites punitions pour lui, mais c'est pas grave. Il n'a jamais retouché, jamais. Mais Marcel Lechien n'a pas arrêté pour autant d'agresser les autres enfants. Sur les 38 victimes identifiées, 29 se plaignent d'actes commis entre 1996 et 2001. Anaïs, elle aussi, avait parlé à ses parents. En 96. Mais ça n'était pas allé plus loin que ça. Vous en aviez parlé à quelqu'un avant ? Moi, j'en ai parlé à mes parents en 1996. Vous aviez ? 9 ans. Vous leur avez tout dit ? À l'époque ? Ouais. Comment est-ce qu'ils ont réagi ? C'était difficile. Surtout que j'ai sorti un soir à table comme ça, en fait, à ma mère. Et comment ils réagissent ? Bah, mal. C'est des pleurs, ça s'exprime par des pleurs aux parents, en fait. Votre maman, elle se met à pleurer quand vous lui dites. Et après ? Bah, après, elle me fait « qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Donc, je sais, bah, rien, c'est bon, la directrice est au courant. Et je sais pas, il va se passer quelque chose. En 1996, des enfants ont parlé et des parents ont ouvert une porte, mais l'éducation nationale n'a pas voulu voir ou n'a pas voulu croire. Et la porte s'est refermée pendant 5 ans. Et pendant ces 5 années, Marcel Lechien s'est retrouvé face aux enfants, seul. Et il a recommencé. Jusqu'à ce qu'en 2001, tout le monde, enfin, accepte d'ouvrir les yeux. Quand Marcel Lechien est arrêté, en 2001, Jeannine Morin et Jannick Quesnay, les deux mamans qui étaient allées voir la directrice en 1996, vont tout de suite porter plainte à la gendarmerie. Et immédiatement, le procureur de la République met en examen la directrice de l'école et l'inspecteur pour non-dénonciation d'atteinte sexuelle sur mineurs. La directrice est la première placée en garde à vue. Elle se souvient très bien de l'année 96. « Je pensais qu'effectivement, monsieur le chien pouvait avoir commis des attouchements sur les enfants, mais je n'ai jamais pu transformer mes doutes en conviction. » Quand on lui demande pourquoi elle n'a pas signalé ses faits à la gendarmerie ou au procureur de la République, elle dit « J'étais persuadée que monsieur le chien ne recommencerait pas suite à notre entretien. » Après l'intervention des parents, la directrice dit avoir surveillé, dans la mesure du possible, Marcel le chien. Elle passait dans sa classe à l'improviste. Elle n'a jamais rien remarqué d'anormal. Le maire de Cormeilles, lui, croit en sa bonne foi. C'était une personne qui craignait tout, qui pensait sur rien. À mon avis, elle a peut-être eu des doutes, mais c'est une personne qui a dû dire « non, c'est pas possible ». Elle aurait alerté autrement que ça les autorités compétentes. Mais dans l'ensemble, les parents ne croient pas à la directrice. Ils sont furieux, d'autant qu'ils savent maintenant que Marcel Lechien restait souvent dans sa classe en récréation avec un ou plusieurs élèves, ce qui est strictement interdit par le règlement. Et les autres maîtres d'école, eux aussi, ne pouvaient-ils pas s'étonner de l'absence de Marcel Lechien dans la cour au moment des récréations ? On a mis tout sur le dos de la directrice, mais qu'il n'y en ait pas un parmi eux qui ait eu l'idée pendant la récréation d'aller clencher la porte, puis d'arriver
assez brutalement dans la classe, je pense qu'il aurait dû pouvoir trouver quelque chose quand même, parce que il y a eu quand même des fêtes, hein, on est obligé de l'avouer. Hein. Et la colère des parents ne fait qu'augmenter quand ils apprennent qu'en 91, la directrice a retiré son propre fils de la classe de Marcel Lechien en plein milieu de l'année. Elle a passé ça sur le coup de dire que M. Lechien n'était pas assez autoritaire pour son fils et que son fils était un petit peu diable dans la classe et que M. Lechien n'en venait pas à bout. Donc son fils, elle l'a changé. Mais le mien restait avec M. Lechien. L'inspecteur doit s'expliquer à son tour devant les gendarmes. Il plaide qu'il a fait ce qu'il fallait. Il a demandé à la psychologue scolaire de voir les enfants. Il se trouve que cette psychologue est aussi sa femme. Seulement voilà, celle-ci n'a pas rédigé de rapport écrit. Son enquête s'est juste terminée par une conversation entre époux. La psychologue, elle aussi, est interrogée par les gendarmes. Elle raconte qu'elle a trouvé le petit Dimitri sans sentiment négatif vis-à-vis du maître. L'enfant n'a pas parlé de gestes répétés et pas d'agression sexuelle. Qui dit agression, dit répétition, dit-elle. À l'époque, la psychologue a aussi entendu la petite Julie, qui devant elle n'a évoqué qu'une seule fois un contact du maître, la main sur son sexe. Alors la psy n'a rien dit aux parents de Julie. Elle pensait qu'il fallait attendre pour savoir si les enfants disaient la vérité. Que fait-elle? Elle en reparle à son inspecteur de mari, ou à son mari d'inspecteur. Que fait-il? Il va voir Monsieur le Chien et il lui dit « Devriez prendre un petit peu plus de distance par rapport aux enfants. Vous devriez avoir un peu plus de recul et puis ne laissez pas les enfants vous approcher parce que ça peut prêter à rumeur. » Et l'inspecteur propose une mutation pour éviter la rumeur. Et voilà ce qu'il déclare aux gendarmes. « Pour moi, c'était une mesure de protection en faveur d'un instituteur innocent. » Il a refusé la mutation, ce qui m'a conforté dans mon idée, à savoir qu'il n'avait rien à se reprocher. Suite à cette rapide enquête, l'inspecteur dit à la directrice que l'affaire est close et que d'ailleurs, il n'y a pas d'affaire. Il ne rédige aucune note. Rien ne figure dans le dossier de Marcel Lechien. Maître Leck, dans cette affaire, vous êtes d'abord l'avocat de la directrice de l'école. Alors quand on écoute les parents, ils disent elle savait beaucoup de choses, elle avait deviné beaucoup de choses, on lui avait dit beaucoup de choses, et elle n'a rien fait. Cette directrice d'école, dès qu'elle a été informée par les parents d'élèves, et s'est établie au dossier, va alerter son inspecteur de circonscription. La loi, à ce moment-là, au niveau du signalement, l'oblige d'informer soit son inspecteur de circonscription, soit l'autorité judiciaire. Tandis que maintenant, c'est les deux. Elle a fait ce qu'on devait faire à l'époque, c'est ça que vous nous dites? Voilà. Alors à partir de là, au niveau judiciaire, l'obligation de la directrice d'école était d'alerter son administration, elle l'a fait. Et par conséquent, ce point m'apparaît tout à fait important, même si les familles peuvent avoir une impression différente. Les parents disent, puisqu'elle avait un doute, et que la plupart des actes délictueux se produisaient sans doute pendant les récréations et que le maître ne sortait jamais en récréation, pourquoi ne surgissait-elle pas dans la salle de classe pendant la récré? Allez, je pousse la porte pour les surprendre, quoi. Vous savez, elle n'a pas hésité à dire « j'aurais sans doute dû être plus vigilante ». Mais de là à ce qu'on en fasse un procès, qu'on la considère comme complice ou qu'elle ait manqué à ses obligations, non, je ne pense pas que c'est son sentiment. Et moi-même, je suis persuadé que cette femme a été honnête. La directrice obtient un non-lieu. Cette femme, donc, n'ira pas aux assises en tant qu'accusée. Et aux assises, elle sera témoin. Voilà. Pour en revenir à Marcel Lechien, si pendant tant d'années, il a pu agir en toute impunité, c'est parce qu'à Cormeil, 1200 habitants, en Normandie, l'instituteur est encore de nos jours un notable, un homme forcément respectable, pas un pédophile. À l'été ou au printemps, avant que mon fils rentre en CP,
Il y avait des enfants qui jouaient au square. Et nous, on avait l'habitude d'aller au square jouer avec Baptiste. Et il y a un gamin, je ne citerai pas le nom, qui a dit comme ça, de toute façon, le chien, c'est un pédophile, il va bientôt tomber. Et moi, je me suis déplacée, j'ai dit au gamin, mais arrête de raconter n'importe quoi, ça pourrait aller loin, cette affaire. De dire des âneries, quoi. Parce que je pensais vraiment que c'était des âneries. Car Marcel Le Chien est considéré comme un maître à l'ancienne, sévère, mais juste. Pour la lecture, l'orthographe, tout ça, c'était impeccable. Les cahiers bien tenus, tout, c'était vraiment l'instituteur d'autrefois, quoi, qui était là pour bien s'occuper de ses enfants. Sévère, parce qu'un enfant qui n'avait pas fini son devoir, mal écrit ou n'importe, il déchirait la page et recopiait. Et puis voilà, hein, puni pendant la récréation, pas droit d'aller jouer. Mais c'est bien, il y a des sanctions qu'il faut faire, ça. Je me suis battue avec la directrice pour dire « Laura ira avec Monsieur Le Chien ». C'est Monsieur Le Chien ou rien, sinon je la change d'école. Et pourquoi ? Et maintenant, je regrette. Même les parents qui avaient un doute ont refusé d'ouvrir les yeux. Il y a des parents qui, finissant par avoir des doutes, parce que leur petite fille ne disait rien, mais disait des choses par son corps, quoi, qu'elle allait mal, qu'elle avait le sexe rouge de manière totalement anormale pour une enfant de 6 ans, on finit par aller planquer devant l'école en voiture en se disant bah, on va essayer de le surveiller tout le temps pour voir si jamais il touche à notre fille. Ça veut dire à quel point ils sont tétanisés, ils ont peur et ils n'osent pas utiliser d'autres voies pour signaler les faits et ce dont leur fille est victime. La rumeur vient quand même aux oreilles d'un parent d'élève, Jean-Yves Sandré. Ça se passe lors d'un apéritif au café du village. Quelqu'un lui dit que Marcel Le Chien est pédophile. Je ne me pose pas la question du « c'est vrai, c'est pas vrai ». Je connais très bien ses vieux parents. Je le connais, lui, parce que je lui ai déjà confié deux de mes enfants. Son contact ne m'a jamais plu. L'homme a toujours le regard dissimulé par des verres fumés. Et Jean-Yves Sandré décide de mener une petite enquête personnelle. Je comprends que des gens ont été informés, donc des familles ont su, mais aussi des responsables. Dans l'éducation nationale, j'apprends que 96-97, il y a eu des signalements de fait auprès de la directrice de l'école, qu'une psychologue scolaire a vu les enfants, qu'un inspecteur local de l'éducation nationale en a été averti, que tout ça s'est terminé par « il n'y a rien à voir, on poursuit les choses de la sorte ». Anaïs est l'une des premières à prendre contact avec lui. Elle a 15 ans. Elle s'était confiée à sa mère quelques années plus tôt, mais elle n'avait pas voulu aller jusqu'à la plainte. La peur de s'exposer. Mais aujourd'hui, elle veut que l'affaire éclate. Surtout depuis qu'elle sait qu'Élodie, une de ses cousines, elle aussi victime de Le Chien, a fait 2 tentatives de suicide. Là, je commence à me rendre compte que bah, je ne suis pas le cas unique, qu'il y a eu des faits beaucoup plus graves, donc le viol. Et voilà, à un moment, bah, on se dit non, stop, faut qu'on en parle et faut savoir s'il continue d'abuser sur d'autres enfants. Jean-Yves Sandré se rend chez les parents d'Anaïs. La jeune fille lui raconte tout ce qu'elle sait des agissements de Marcel Le Chien. À la fin de l'entretien, Anaïs éprouve le besoin d'évoquer une autre victime, pour laquelle elle considère que, et à juste titre, que c'était plus grave au sens où Le Chien lui aurait demandé une fellation. Et cette autre victime, c'est Élodie, la cousine d'Anaïs. Jean-Yves Sandré la rencontre. Elle lui raconte qu'elle a dénoncé l'instituteur en vain à son médecin de famille. Celui-ci n'a pas alerté la justice. Et les parents de cette jeune femme disent « Le médecin de famille nous a conseillé de ne pas nous lancer dans cette histoire trop grosse pour nous. » Et là, on est 6 mois avant que je n'intervienne. 6 mois de perdu, c'est donc une rentrée scolaire, septembre, jusqu'en février. Et en 6 mois, Marcel Le Chien va faire 12 victimes de plus. Jusqu'à ce que Jean-Yves Sandré, ce père de famille qui depuis le début essaye de faire sortir l'affaire, aille un matin à l'école, qu'il fasse monter l'instituteur dans sa voiture et qu'il le livre lui-même aux gendarmes en leur disant « Je vous amène
un pédophile. Écoute, Jean-Yves, ouais, je pense que ça n'avançait pas assez vite, en fait. Il s'est dit, vu comment ça fait des années qu'ils essayent déjà, depuis 96, qu'ils vont voir la directrice, qu'il n'y a rien qui se passe. Là, on prévient des médecins font rien, et là, c'est en route, mais voilà, chaque jour compte, en fait. Combien de temps ces enfants dans la classe de CP vont-ils rester exposés à cet homme ? Mon épouse et moi-même commençons à comprendre que cela pourrait durer très longtemps. Et que le sort de ces enfants, d'une certaine manière, dépend un peu de ce que l'on pourrait faire. Et mon épouse me dit simplement, tu dois aller le chercher. Il se trouve que finalement, s'il décide d'emmener l'instituteur dans sa voiture à la gendarmerie, c'est bien parce que justement, tous les canaux qui auraient dû fonctionner depuis des années n'ont pas fonctionné. Et que du coup, l'affaire éclate de manière totalement inattendue, abrupte, presque burlesque, quoi. Il a fait son devoir de citoyen, au lieu de parler et puis de pas agir, comme beaucoup ont fait, lui, il a agi. Et heureusement qu'il était là, parce que je pense que s'il n'avait pas été là, je me demande si quelqu'un aurait eu le courage d'en parler. Ne serait-ce que d'en parler. L'instruction dure 3 ans. Marcel Le Chien épuise toutes les voies de recours. Il est défendu par un avocat de la Fédération Autonome de Solidarité. Cette fédération défend les enseignants mis en examen. Elle prend en charge tous les frais de procès à une condition, que l'accusé se disent innocents. Maître Vernier Lecoeur a mis un certain temps avant de nous dire « Bon, cette affaire-là, il faut la défendre parce que j'ai la conviction que M. Le Chien est innocent. » Marcel Le Chien est renvoyé devant les assises d'Évreux en novembre 2004. La plupart des victimes sont mineures. Le procès doit en principe se dérouler à huis clos. La veille du procès, Marcel Le Chien souhaite s'adresser aux journalistes. Il leur écrit une lettre lu par l'épouse de son avocat lors d'une conférence de presse. Il se dit victime d'une psychose collective due au tapage médiatique. Dans mon esprit, je sais que je n'ai rien fait de mal. J'en suis absolument sûre. Je suis innocent des faits dont on m'accuse. Marcel Le Chien voudrait que ce procès se déroule au grand jour, sans huis clos, puisque pour lui, les enfants mentent et que lui n'a rien à se reprocher. Mais pour les parents, c'est une provocation. C'est sous-entendre, moi, je n'ai rien à cacher, je veux le procès public. Sous-entendu, si les victimes demandent le huis clos, c'est qu'elles ont quelque chose à cacher, qu'elles ont la conscience qui n'est pas tout à fait tranquille. Et ça, ça a été un coup de théâtre, un renversement. Puisqu'en l'espace de quelques jours, en l'espace même de quelques heures, les victimes se sont toutes concertées pour finalement demander un procès public. Le procès commence. Et les victimes n'attendent qu'une chose, des aveux de Marcel Le Chien. Ça fait 3 ans que l'instituteur les accuse de mentir. 3 ans que la moitié de Cormeil doute de ce que dit l'autre moitié. Il y avait le clan des personnes qui disaient « Ah, quand le chien va passer au tribunal, vous allez voir qu'il n'a rien fait. » Et puis d'autres se disaient « Vivement que monsieur le chien passe au tribunal, parce que là, au moins, on va se rendre compte de ce qu'il a fait. » Tout le monde a besoin d'entendre ce que Marcel Le Chien a à dire et d'entendre ce que les victimes ont à dire aussi. Les victimes ont l'intention de tout dire et les parents seront à leur côté. On a pris 3 semaines de vacances pour dire on va aller à Évreux tous les jours, on va aller avec toi, on va te soutenir. On voulait soutenir les autres. Au procès, on était... On était tous les uns avec les autres. Il n'y avait pas chacun de son côté. C'était vraiment bien. Les enfants et leurs parents attendent de regarder le chien les yeux dans les yeux. Ils espèrent enfin la vérité. Je veux le regarder, je veux lui faire comprendre de ce qu'il nous a fait. Moi, je veux qu'il avoue, c'est tout. Mais j'ai pas peur de balancer devant tout le monde tout ce qu'il nous a fait, quoi, parce qu'il nous a fait souffrir. Et maintenant, j'espère que ça sera à lui de souffrir.
Marcel Le Chien, assisté de deux avocats, est impassible. Face à lui, quatre avocats encadrent 38 victimes. Deux clans s'affrontent. Au début, la défense parle d'un complot, mais cette théorie s'écroule devant le témoignage de générations entières d'élèves qui se succèdent à la barre. Des témoins qui ont entre 10 ans et 30 ans et qui disent tous, la même chose. Moi, il m'a touché, je l'ai touché. Forcément que les faits qui sont reprochés là, je me dis, bah oui, totalement possible, forcément. Ah bah oui. Quand vous avez subi ça, vous le savez. Pour moi, ça a été un plaisir de le revoir. D'être vraiment les yeux dans les yeux et de dire, oui, ça, tu nous l'as fait. On entendait toujours la même chose à des années de différence, mais c'était toujours les mêmes gestes, c'était toujours la même chose. Donc c'était vraiment, c'était flagrant, accablant pour Marcel Le Chien. C'était accablant. Et on se disait, c'est pas possible, comment il va pouvoir soutenir cette ligne de défense pendant 3 semaines de procès. Et maintenant, il faut des aveux. Anaïs, qui est à l'origine de l'arrestation de Le Chien, entame le bras de fer. Anaïs, vous êtes la première à témoigner à la barre. En tant que victime de Cormeilles, oui. En tant que victime. Comment ça se passe? Vous avez peur d'y aller? Je pense que c'est le mardi, le premier jour du procès qui est le plus difficile. Justement, le revoir alors que ça fait... la dernière fois que je l'ai vu, c'était justement à la gendarmerie. Je l'avais entrevu même, je dirais. Et là, ça fait 4 ans sans le voir. Et justement, dans ce coup, il est sur le banc des jugés. C'est... Alors vous approchez de la barre. Ouais, je tiens la barre. Vous tenez la barre comme ça, avec les mains? Voilà, j'ai les mains sur la barre. Et vous avez quelque chose à dire? Vous avez préparé quelque chose? Non, en fait, je demande à la présidente ce que je dois faire, si je dois énoncer les faits. Donc, elle me fait, vas-y, raconte. Donc, j'ai raconté tout. Et ça s'est bien passé. Moi, j'étais libérée, j'étais assez fière de moi parce que je m'en étais bien sortie. J'ai réussi à lui parler, je me suis adressée à lui en fait en même temps que je témoignais. T'as voulu le regarder? Je l'ai regardé et je lui ai parlé. Vous lui dites quoi? Lorsqu'il se plaignait que la détention était très difficile. C'est quasiment les seules paroles en fait qu'il a prononcées durant le procès. Et donc moi je le regarde et je lui fais, mais tout de même on pouvait dire que la détention c'est difficile, mais nous en tant que victime vous souffrirez jamais autant que nous. Ensuite vient le témoignage de Laura. À la barre et même en le regardant, la juge lui demandant si c'était vrai, il fait non, ce sont des menteurs, j'ai rien fait. Alors là, c'est mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On se retient ou on y va? Moi j'ai craqué, je suis partie parce que j'en pouvais plus. Quand j'ai vu qu'il apprenait vraiment pour une menteuse, là j'ai vraiment craqué, puis je vous dis, je suis partie. J'ai piqué une crise de nerfs. Il a fallu que je quitte le tribunal. Les témoignages se succèdent et les enfants sont parfois plus forts que leurs parents. Et c'est un petit bonhomme de pas haut et franchement, c'était un homme à la barre. Franchement, devant tous les jurés, le juge et tout, les avocats et tout, et devant le chien, j'ai pas reconnu mon fils. Baptiste est l'un des plus jeunes enfants à témoigner. Il a 10 ans. T'as pas intimidé de rentrer dans la salle d'assises comme ça devant tout le monde? Non. T'as pas eu peur au début? J'ai un tout petit peu. Un petit peu. Il a parlé comment, Baptiste? Très bien. J'en revenais même pas d'ailleurs. Il avait les mains dans le dos et puis il a sorti ce qu'il avait à sortir, tout ce que l'autre y avait fait. Et quand on lui posait des questions, t'es sûr, Baptiste, que tu dis bien la vérité? Il répondait oui, je suis sûr, oui, je suis sûr. Après le témoignage de Baptiste, Marcel Le Chien, qui était resté souvent impassible face aux autres enfants, répète : les enfants mentent. Il ne regardait pas, il n'avait pas le courage de nous regarder. Il regardait ses chaussures. «
cette impassibilité reflète quelque chose d'étrange et quelque chose qui fait que le chien n'est pas ordinaire et qui laisse à penser que s'il n'est pas ordinaire et s'il a ce pouvoir d'abstraction, de distanciation, cette impossibilité d'être ému, eh bien, c'est qu'il est capable de choses graves. C'est au tour d'Élodie de passer à la barre. La jeune femme accuse l'instituteur de fellation. C'est l'accusation la plus grave portée contre lui. Élodie, on l'a vue quelques minutes avant l'audience, avant qu'elle témoigne. Elle paraît forte. Elle dit, ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment-là, il faut absolument que j'aille à la barre et que je dise à Marcel Lechien tout ce qu'il m'a fait et que j'explique à la cour aussi tout ce qu'il nous a fait à nous les enfants. À la barre, Élodie s'effondre en larmes et a du mal à poursuivre son récit. Elle y arrive et à la fin, elle va même s'adresser sans le regarder à Marcel Lechien en disant « Mais vous avez vu tout ce que vous nous avez fait, c'est pas juste, c'est pas juste. » Et là, Marcel Lechien lui dit « Tu mens. » Il va la regarder avec une âpreté et même une agressivité qui vont faire frissonner un peu les personnes présentes. Mais encore une fois, il va se récupérer très vite. Il était pendant l'instruction l'avocat de la directrice. Maître Lec est devenu aujourd'hui le deuxième avocat de Marcel Lechien. Lorsque commence le procès de Marcel Lechien, j'imagine que dans les jours qui précèdent, vous le voyez, puis vous vous mettez d'accord sur ce qu'on appelle une stratégie de défense. Quelle est votre stratégie commune pour ce procès? Alors moi, ma conception dans toute cette affaire-là, ça n'est pas de comprendre et de défendre un pédophile. C'est de rechercher avec tout le monde la vérité. Or, je me suis aperçu que l'instruction qui avait été faite, comme dans l'affaire Doutreau, que l'on récuse dans ce dossier, eh bien, a été mal faite. Plusieurs magistrats instructeurs sont désignés, les contre-expertises n'ont pas lieu, des confrontations sont refusées, des reconstitutions pour savoir si les propos sont possibles ne sont pas acceptées. Bref, il y a là, je pense, une négligence grave au niveau du fonctionnement de la justice qui m'apparaît anormale. Et je pense qu'au niveau de la cour d'assises, pendant près de 3 semaines, il est peut-être possible de redresser la situation. Marcel Lechien a décidé, tout au long de cette affaire et donc tout au long de ce procès, de nier tout. Ce que vous auriez voulu, c'est que pendant ce procès, il reconnaisse les attouchements pour mieux nier les viols. Oui, et moi je pense que ça aurait été possible. Et il n'a pas voulu. Ça aurait été possible dès lors où nous avons notamment indiqué que, s'agissant d'un viol, un des enfants avait parlé de thermomètre au début, qu'il avait eu dans l'anus, et puis à la fin, ce n'est plus un thermomètre, c'est une pâte à modeler 3 mois plus tard. Tout cela mérite d'être constaté, examiné, et on avait demandé une expertise d'ADN, y compris sur cette pâte à modeler. Pas possible. Mais oui, c'est un fait précis, pourtant ça, c'est un crime. Ceux qui ont assisté au procès disent qu'il n'a manifesté aucune compassion à l'égard de ses enfants, qui parfois sont en larmes. Alors, il les traite de menteurs. Pour un enseignant... Je pense que, si vous voulez, cet homme ne va pas réaliser ce qui va se passer pendant près de 3 semaines. Il est figé dans une attitude. Et à partir de là... il ne peut pas en bouger. C'est vrai aussi qu'il considérera que certains enfants ont pu exagérer, ce qui est possible, et à partir de là, il va adopter un système de négation qui, à mon avis, se retournera contre lui. Au fil des témoignages, les jurés découvrent aussi que Marcel Lechien était parfois un instituteur violent avec ses élèves. C'était un homme qui était extrêmement violent. Moi, par exemple, j'avais tendance à être sur ma chaise d'écolier, à écrire un petit peu trop près de la feuille. Pour monsieur, ça ne lui plaisait pas, donc je me suis retrouvé attaché sur une chaise avec une planche dans le dos. Si vous voulez, j'ai une planche dans le dos, ligotée comme ça, et j'avais juste de quoi pour pouvoir écrire le plus poulain possible. Et ça a duré, ce truc-là, ça a dû durer 2 mois, avant qu'il me relâche. Il y a un garçon qui était dans ma classe, un jour, il a demandé pour aller aux toilettes.
Il a dit non, tu te retires jusqu'à la récré, alors que la récré, elle était loin. Et bah, en fait, il a fait pipi dans sa culotte dans la classe. Il a été chercher un seau d'eau, du produit, une éponge. Il l'a ramené à côté de lui, il a fait maintenant tu nettoies. Il l'a nettoyé devant tout le monde. Le pauvre, il pleurait, le garçon, il pleurait. Mais il avait honte. En faisant régner la terreur, Marcel Lechien instaure dans sa classe un climat favorable à ses agressions sexuelles. Lechien, au sein de sa classe, va entretenir une atmosphère chaotique. Tantôt, il va être absolument proche des enfants et chaleureux même avec les enfants. Tantôt, il va être, et aussi rapidement, il va être dur, brutal, violent, et ceci d'une minute à l'autre. Il avait une stratégie donc qui alliait la séduction, la punition et la terreur. Donc il pouvait terroriser certains. Donc pour que l'enfant puisse s'intégrer dans cette classe, puisse y trouver une place, puisse être valorisé narcissiquement, il fallait absolument qu'il soit très obéissant. Pour ne surtout pas être à la place de celui qu'on punit. Au fond, dans la classe de Marcel Lechien, on n'a qu'une envie, être le chouchou du maître. On sent qu'il y a quelque chose de pas normal, parce que voilà, moi, à chaque fois qu'il fallait que je lui caresse le sexe, et il fallait tout le temps, je sortais de la classe après pour aller me laver les mains, donc je chantais bien. J'avais fait quelque chose, en fait, qui me salissait. Et malheureusement, on l'a tous ressenti comme ça, on sentait un peu les chouchous en fait. Ceux qui étaient sur ses genoux étaient considérés comme ses chouchous. Donc on veut toujours être aimé, le préféré de l'instituteur. Et c'est pour ça que ça fait ça et que personne n'en a parlé en fait. Et l'instituteur disait aux enfants que s'ils parlaient, leurs parents souffriraient. Premièrement, ils ne croiront pas, et deuxièmement, tu leur feras mal. Donc, Et ça, c'est radical. Et ça a été radical. Parce que moi, j'ai pas eu. Il n'y a pas eu d'influence, de violence verbale et de menace. J'ai jamais été menacée, je dirais, à part ça. À part le fait de faire mal à mes parents et qu'ils ne me croiront pas. Dominique, un psychiatre et un psychologue sont mandatés pour expertiser Marcel Lechien. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils vont d'abord s'intéresser à sa vie, construire sa biographie, et vous allez voir que c'est très important parce que ça explique plein de choses dans la vie de Marcel Lechien. Il est né le 30 août 1953 à Cormeilles, c'est un enfant du pays, père menuisier, mère au foyer. On lui demande comment c'était l'enfance. Marcel Lechien répond que ses parents n'avaient aucun défaut et qu'ils lui ont donné le meilleur du meilleur et la meilleure des éducations. À 15 ans, il quitte la maison familiale pour faire l'école normale. Il veut devenir instituteur, et là tout le monde se moque de lui. C'est le mouton noir de l'école normale parce qu'il est mal habillé. Ses parents ont très peu de revenus, c'est un milieu modeste. Il porte des lunettes qui lui ont été fournies par la sécurité sociale. On appelle ça des lunettes sécurité sociale. C'est ces lunettes avec un cerclé de métal blanc. Donc et il n'est pas branché, quoi. Il n'est pas branché. Du tout. Et l'enquête sociale va vraiment établir que ça se passait comme ça, que tout le monde le rejetait. On lui demande comment c'était l'école normale. Il répond. Je n'ai jamais senti aucun rejet de la part des autres. Il devient instit en 1974 et là, il sera muté 6 fois pour des raisons essentiellement liées à des fermetures de classe. Il arrive à Cormeilles. Il épouse sa femme Paulette en 1985. Il a 32 ans, elle en a 48. 16 ans les séparent. Il est instit, elle est femme de ménage. Elle ressemble physiquement à sa mère. Marcel Lechien a choisi une épouse qui ressemblait à sa mère. On lui demande comment c'était son couple. Un très bon couple, répond Marcel Lechien, non, aucun problème. Aucune péripétie n'est jamais venue émailler notre vie de couple. On lui demande de parler de lui-même. Je n'ai jamais eu à souffrir d'aucun complexe particulier. On lui demande s'il a des défauts. Je dois certainement en avoir comme tout le monde, mais là, franchement, je ne trouve pas. Bon, vous avez compris, on ne va pas aller plus loin. Dans la vie de Marcel Lechien, il n'y a pas de problème. Dans la vie de Marcel Lechien, racontée par Marcel Lechien. Sur son profil psychologique, voilà les conclusions du rapport. Le sujet fonctionne dans la dénégation, le déni, l'annulation des faits, l'absence de culpabilité. Ce type de personnalité méconnaît par essence la demande de soins ou de suivi psychologique. Il n'admet pas qu'il est malade, on ne peut pas le soigner.
La prise en charge de ce type de sujet reste très complexe, écrit l'expert, car il s'agit de mouvements pulsionnels de fond. Écoutez bien la fin. Le seul remède est sa mise à l'écart. Et il ne faut pas méconnaître le risque majeur de réitération de l'infraction. Sous-entendu, la récidive est inévitable. Prostré dans le box des accusés, Marcel Lechien ne réagit pas. Tourné vers la cour, il ne jettera aucun regard vers la salle. Les conclusions du psychologue sont pourtant lourdes. L'expert explique que l'accusé s'est créé deux mondes, l'un public, l'autre privé. À l'extérieur, Marcel Lechien est un homme lisse et serviable. À l'intérieur, c'est une face cachée. Le psychologue dépeint une personnalité perverse. Ce qu'il faut expliquer, c'est que pendant toute l'instruction, on a beaucoup parlé de la responsabilité de la directrice qui n'a rien vu et de l'inspecteur qui n'a pas voulu voir. Mais au procès, ils ne sont pas dans le box des accusés. Tous les deux ont bénéficié d'un non-lieu. Ils sont témoins et la directrice va pourtant être interrogée comme une accusée. Tout le monde attend l'éducation nationale au tournant. C'est clair. Avocat, journaliste, tout le monde attend. Son nom secoue l'assemblée. Tous les regards sont braqués sur elle. Elle ne peut en ignorer le poids. L'ancienne directrice dit vivre dans l'accablement et la détresse depuis 3 ans. Le jour où la directrice est appelée à la barre comme témoin, il y a beaucoup d'enseignants dans la salle d'assises. Anaïs reconnaît même un de ses professeurs de collège. C'est vrai que quelque part, nous, ça nous étonne. On se dit, mais enfin, pourquoi ils sont pas mis, on ne met pas en cause l'institution quand Marcel Lechien, de toute évidence, quand on examine son cursus, son profil psychologique, est quand même quelqu'un à part, hors norme. C'est pas le profil de l'instituteur lambda, donc les autres ne devraient pas se sentir concernés. La directrice témoigne pendant plus de 2 heures. Les avocats des parties civiles et l'avocat général la poussent à reconnaître au moins une responsabilité morale. Mais non, elle tient bon. Pourtant, les avocats l'ont bien secoué, hein. Mais pour elle, c'était normal. Elle avait fait son travail, elle l'avait signalé à sa hiérarchie, puis bon, bah, c'est tout qu'on m'a fait suivre. On a effectivement tous, la présidente, le procureur, c'est très sensible. On a envie d'entendre, pour les victimes, un regret. Un pardon, voilà, je regrette que ça soit passé dans mon école, c'est très triste, tous ces enfants, je les connais, je ressens de la compassion pour eux. Et Madame à l'audience adopte le comportement complètement inverse. Elle n'a jamais été au courant de rien, elle a fait son travail, voilà. J'ai fait mon travail et si c'était à refaire, je le referais, exactement. Ça aussi, c'est difficile. Et puis tous ceux qui assistent au procès sont étonnés. Ils trouvent que les avocats de Marcel Lechien ne sont pas très agressifs envers la directrice. L'institution n'a pas joué son rôle. La défense aurait pu dire ça. C'est des circonstances atténuantes qui ne sont pas négligeables. De dire il était malade, victime de ses pulsions. C'était aussi aux autres, à la société, de jouer son rôle, c'est-à-dire de le protéger lui-même de ses pulsions et de protéger les autres de ses pulsions. Quelques jours plus tard, l'inspecteur témoigne à son tour. Sa voix est enrouée, ses explications ne vont pas tarder à l'être aussi. En 1996, l'homme aujourd'hui âgé de 70 ans est inspecteur de circonscription. À l'époque, la directrice de l'école de Cormeilles l'informe que Marcel Lechien a touché un enfant au niveau de l'entrecuisse. Il raconte qu'il a mené des investigations, mais que l'accusation lui a paru farfelue. Ce jour-là, les propos de l'inspecteur choquent une bonne partie de l'assistance. Les gens qui sont dans la salle alternent entre la suffocation et l'hilarité tellement les choses sont énormes, tellement les choses qui sont dites sont énormes. Quand on lui demande ce qu'auraient dû faire les parents à l'époque, il dit mais faire ce que font les autres parents, ne rien dire et retirer leur enfant de cette école. L'inspecteur admet avoir trouvé l'affaire insignifiante. Il se souvient que l'instituteur était accusé de mettre sa main à l'entrecuisse des enfants.
Après tout, en Afrique, les femmes procèdent de cette façon-là pour tenir leurs enfants. Le ton était donné. Et quand la présidente du tribunal lui demande comment il a été sensibilisé à la pédophilie lors de sa formation d'inspecteur... Oh, à cette époque-là, la pédophilie n'avait pas encore été inventée. C'est donc en toute logique que l'inspecteur n'a rien inscrit en 96 dans le dossier de Marcel Lechien. Pourquoi il n'y a pas une ligne dans le dossier ? L'inspecteur local de l'éducation nationale répond : je ne voulais pas porter atteinte, à l'honneur de cet homme. Le dossier est donc vide. Mais l'inspecteur a manifestement eu un doute puisque cette année-là, dans son rapport annuel d'inspection, il a donné à Marcel Lechien une note dite réservée. Autrement dit, pas de note. Il refuse de se prononcer. 2 ans plus tard, l'inspecteur revient voir l'instituteur. Cette fois, il semble rassuré, 17,5/20. Pour l'inspecteur, Marcel Lechien était un bon maître d'école. L'inspecteur affirme n'avoir été au courant en 96 que d'un geste fortuit à l'entrejambe des enfants. La psychologue scolaire, sa femme, ne lui avait rien dit de plus. Justement, c'est au tour de sa psychologue d'épouse de venir à la barre. La présidente du tribunal lui demande si en 96 les enfants lui ont bien signalé des attouchements sexuels. Oui, la petite Julie a dit, il m'a pris la main et il l'a mis dans sa culotte. Là, la présidente lui dit, madame, est-ce que vous avez dit ça à l'inspecteur, votre mari ? Elle me dit, oui, j'ai dit ça à l'inspecteur et à la directrice. Donc ils étaient au courant, Ce qu'ils avaient nié, eux, jusqu'ici. Donc, ceci a été relevé comme un fait très important et a été acté à la fin du procès. Au bout de 3 semaines de procès, c'est l'heure des plaidoiries. Les avocats de Marcel Lechien plaident l'erreur judiciaire. Ils demandent tout bonnement l'acquittement. Maître Werneret Lecoeur soutient la thèse du complot alimentée par une psychose collective, affabulation, fantasme, manipulation de la parole d'enfant. L'avocat met en garde les jurés contre une erreur judiciaire. Les enfants ont un monde fantasmatique et imaginaire plus ou moins développé selon l'enfant, et que selon la limite du monde imaginaire et du monde réel, il peut se produire des phénomènes non pas de mensonges, mais de développement de paroles qui correspondent simplement à de l'imaginaire. Le deuxième avocat de Marcel Lechien met en cause les accusations les plus graves, celles de viol. Il fait planer au-dessus des jurés le spectre d'Outreau. Arrive le moment des plaidoiries, Maître Lec. Et alors là, vous et votre confrère, on vous voit, on vous entend plaider l'acquittement. Et tous les gens qui vous entendent ont entendu les enfants raconter avant. Pas un, pas deux, 10, 15, 20 enfants raconter. C'est une folie de plaider l'acquittement. Vous en avez conscience. Alors, en ce qui me concerne, je n'ai, dans le cours de ma plaidoirie, pas employé le mot d'acquittement. En ce qui me concerne. Pourquoi ? Parce que je demandais simplement aux jurés d'examiner chacune des accusations. Je sentais bien, en ce qui me concerne, que les accusations d'attouchement et autres entraîneraient la condamnation. Vous êtes par ailleurs tenu à ce que l'accusé demande à plaider. S'il dit « moi je suis innocent », vous ne pouvez pas aujourd'hui effectivement dire « il est coupable ». Il n'empêche que dans vos propos, c'est ce que nous avons fait, il convient d'être nuancé. Notamment, l'effort que nous avons porté, c'est sur le problème des crimes qui ne nous semblaient pas constitués. Exemple, les viols. Dans les plaidoiries, vous et votre confrère, vous évoquez le procès d'Outreau. C'est devenu un peu récurrent, hein, comme ça, dans les procès maintenant qui concernent des affaires sexuelles. Pour faire douter les jurés, on leur dit « regardez, à Outreau, ils se sont trompés, donc, alors ils sont peut-être trompés pour mon client ». C'est pas un peu facile, ça, comme argument ? Non, je vous comprends de dire que c'est un peu facile. Nous sommes 3 mois après Outreau. Qu'est-ce qu'a révélé Outreau ? Outreau a révélé qu'on ne savait pas écouter les enfants. Et moi, comme avocat de la Défense, j'ai dit aux jurés qu'il y avait là des leçons à tirer sur l'écoute des enfants. Et il est manifeste que certains d'entre eux n'ont pas dit la vérité. Mais c'est ça aussi la leçon d'Outreau. Il ne faut pas non plus, coûte que coûte, victimiser. Alors à partir de là, nous avons évoqué ce syndrome. Et moi,
Ce qui m'intéressait, c'est que le procès dont nous parlons fasse avancer les choses. Dans sa plaidoirie, tout le monde remarque que Maître Legg, qui a été pendant l'instruction l'avocat de la directrice, ne s'en prend pas à l'éducation nationale, ce qui aurait pourtant été payant. Son intérêt, c'est d'avouer, de plaider les circonstances atténuantes et d'emmener les autres avec lui. Tous les médecins, les directrices, inspecteurs, etc., qui ont été prévenus, dire ben, « ils m'ont pas arrêté, moi j'étais malade ». Si son administration l'avait sorti du circuit, l'avait aidé, l'avait soigné, évidemment, il y aurait eu moins de victimes déjà. C'est quelque chose qui n'a pas été plaidé par son avocat, Pas du tout, pas un instant. Pour l'avocat général, la culpabilité de Marcel Lechien ne fait aucun doute. Il requiert 15 ans de prison. Une réquisition lourde qui sanctionne aussi le comportement de l'instituteur pendant le procès. Si vous dites aux enfants, pardon les enfants, c'est moi le coupable, vous n'avez rien fait. Alors à ce moment-là, la peine de prison, le quantum, a beaucoup moins d'importance pour les enfants. Mais à partir du moment où ils s'enferment dans un système de défense aberrant, alors il n'y a plus de raison de lui faire de cadeaux. Au moment du verdict, les avocats demandent aux élèves de Marcel Lechien d'occuper les trois premiers rangs face à l'accusé. On va reconstituer la classe, celle dans laquelle il vous a fait mal. Vous allez le regarder en face. Là, ce ne sera plus l'instituteur, mais vous aurez le coupable. On était tous là, on se regardait tous, puis on l'attendait. Puis après, là, il y a... Je ne sais plus si c'est la juge ou l'avocat général, il a fait « Monsieur Lechien, vous êtes condamné à 15 ans de peine de réclusion. » Puis on était tous là, on a fait « Super. » On a tous été soulagés. On était tous heureux. On est vraiment reconnu victime. Ça y est, là, c'est fait. Donc la justice a bien travaillé, je pense. Et moi, 15 ans avec tous les victimes qu'il a fait, c'est pas assez bien. Moi, je trouve que c'est pas assez. Ça fait combien? Ça fait pour 40 victimes? Ça lui fait combien à purger à chaque victime? Rien du tout. Marcel Lechien ne réagit pas à l'énoncé du verdict. Ni colère, ni révolte. 15 ans pourtant, ça n'est pas rien. Marcel Lechien a été condamné à une peine très lourde par rapport à ce qui lui était reproché par la justice. Il a été condamné à une peine très lourde aussi, d'une certaine façon, pour faire oublier toutes les autres culpabilités. Marcel Lechien a été très lourdement condamné pour des faits qui ne justifiaient pas tous une condamnation de cette importance et qu'à l'Éducation nationale, aucun de ses membres n'a même été poursuivi. Ils ont certes été ridicules à l'audience, mais les paroles passent, les années de prison restent. Maître Legg, 15 ans de réclusion criminelle pour votre client, Marcel Lechien. Comment réagit-il? Je vous dis, dans ce procès, pendant près de 3 semaines, il a été absent. Et quand la condamnation tombe, il réagit aussi comme un absent, tout en disant « je veux faire appel ». Et vous, comment vous réagissez? Comment vous l'appréciez, cette peine? Vous vous y attendiez? Ah ben, vous savez, lorsque cette peine tombe, je ne vous cache pas que je ne suis pas étonné, mais je dois dire qu'elle ne doit satisfaire personne. Ni certaines victimes, qui elles-mêmes, je pense, reconnaissent que c'est très cher payé, d'autant que, je le dis, tout n'est pas établi au niveau des crimes. Au début, dans les heures qui suivent, il décide de faire appel et... Vous en êtes content parce que vous pensez qu'il y a quelque chose à jouer en appel. Et puis, il renonce à l'appel. Écoutez, d'abord, si vous voulez, le fait qu'il nous dise de faire appel conforte aussi la défense dans le sentiment que le combat judiciaire est tout à fait justifié. Et puis, il va se désister pour une raison qui a son importance aussi dans le procès.
Il a une mère qui est malade, qui devait témoigner au procès d'assises, qui a eu un malaise, qui a été hospitalisé, et donc il a craint pour sa vie. Et très naturellement, il a dit, moi, je ne peux pas imposer à ma famille un nouveau procès, je ne peux pas imposer à nouveau ce calvaire, et j'ai donc décidé de me désister, tout en précisant, je suis innocent. Mais parce qu'on pouvait évidemment comprendre cette décision de ne pas faire appel comme un premier aveu de culpabilité. Je ne l'ai pas entendu. Le procès passé, le calme semble revenu à Cormeil, mais l'affaire a laissé des traces. Comme c'est un petit village, tout le monde était solidaire les uns des autres, parce que bon, on se connaissait à peu près tous. Mais bon, depuis ça, il y a les clans. Et vous pensez que ça se remettra un jour ? Non, je crois pas. Après le verdict, les victimes ont repris leur vie. Mais désormais, elles marchent la tête haute. Pour toi, c'est une histoire qui est terminée, Manon ? Pour moi, oui. Pour moi, ça y est, j'ai tout dit devant un tribunal. J'ai mis devant lui ce qu'il m'a fait, ce que tous les autres ont fait. Moi, maintenant, j'espère m'en libérer. J'espère faire une vie normale. Aujourd'hui, vous avez envie ? Tourner une page. Complètement. Total. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que ce qu'il vous a fait vous traumatise dans votre vie de jeune fille ou que vous allez faire avec ? Ah ben, j'ai fait avec. J'ai vécu avec, mais ça ne va pas m'empêcher de vivre, en fait. Je ferai plus attention. Je fais déjà plus attention. J'ai un regard plus différent par rapport à certaines personnes. Les gestes des hommes, par exemple. Ça va dépendre du genre d'homme, ouais. S'il ne m'inspire pas confiance, faut faire attention. Est-ce que vous parleriez d'une blessure ? Ça vous a blessé à vie ou. Ou c'est moins que ça ? Non, ça, ouais, c'est une blessure parce que en même temps, il m'a fait mal à moi, mais il a tellement fait mal à ma famille que je pense que c'est la blessure qui fait encore le plus mal aussi. Les collègues de Marcel Lechien ont tous quitté l'école de Cormeil. Deux sont partis en retraite, deux ont demandé leur changement. La directrice a été mutée dans un village voisin. Les enfants du cours préparatoire de Cormeil ont désormais une institutrice. Depuis le procès, d'autres victimes de Marcel Lechien se sont fait connaître, d'anciens élèves qui n'avaient pas osé parler jusqu'ici. Une nouvelle procédure est donc en cours. Cormeil n'en a sans doute pas tout à fait fini avec son instituteur. Mm-hmm.